Ah, je suis par terre. C'est qui ça? C'est un ninja ou quoi? C'est Splinter Cell. Bordel. C'est quoi ça? Splinter Cell. Splinter Cell, mon gars. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un autre Splinter Cell. Tu vois, quand t'entends ce bruit, c'est... Avec les yeux verts. Il est mort. Putain, je connaissais pas. C'est quoi ce bordel? Merci. C'est un bijou, c'est des bijoux qu'on a ramassés dans le... J'enregistre dans la partie par contre, hein. Je vous le dis. Oulala. Maintenant que j'ai le matos pour le faire. Ah, j'imagine. En fait, il est en train de jouer sur Twitch. Aïe, aïe, ouais. Aïe. Si je fais n'importe quoi, on saura pourquoi. Ah, le Deagle, j'adore. Et des casques, et des casques. Aïe, aïe. Et en fait, bon, tu vois, t'as ton petit rond blanc autour de putain. Ta life. Ça, c'est ton armure, en fait. Tant que t'as un petit peu de blanc... Attends, je mets une mine en haut de l'escalier, reculé. Je suis à terre. Ah, oh. Ah, puis c'est le bouclier, là. Vas-y, je me mets à gauche, mets-toi à droite. Je vais péter ça derrière. C'est bon, il est mort. Il est où ton... Je le relève, je le relève. Je suis tasé, par contre, je sais pas où il est. C'est bon, j'ai eu le taser. Merci. Merci. Ah, il avait pas explosé avec la mine. Putain, ton sac. J'étais obligé de jeter le sac pour la mine. C'est bon, dans c'est le bon. Dos, dans ouais. Le dos. Votre bouclier, hein, sinon derrière. On va pas tarder à monter. Non, mais on a déjà du monde derrière. Mettez à gauche et à droite, du genre. Dès qu'un. Tac. Merde, on change de côté en même temps, fais chier. À terre. J'arrive. Ah, arrive. On arrive en cours. Ah, trop bonne lentille, ça fait léger. Bon, on a le droit de partir ou pas? Moi, je pars encore. 30 secondes, je crois, il a dit. Ah putain! Laser mort. Merci. Vous êtes sûr, toi? Ah, j'ai vu un truc. Ah. Et on le fourgon? Là, il arrive quand? C'est un embouteillage. Putain, j'ai plus de mune moi presque. Juste au coin de la rue. Putain, une minute. Déconne. Bon, je pose un pack de soins là. Hein. Ouais, bah vas-y, prends. Oh, je suis à deux tirs, je vais rester comme ça. Oula, bon, toi aussi t'es mal. Reviens, Darko. Jamais je te déconseille. Ah, je crois qu'il y avait plus personne là. Je cherchais des munitions surtout. Ah, ouais. Ah, mais non, c'est... fais jamais quand il y avait personne. Surtout là en overkill. Ou alors tu dis tu t'écartes quoi. Ouais voilà. Qu'il y en a un au moins qui réagisse. Au cas où. Quand t'es au sol t'es comme un con. Sauf quand il y a un boot. Que lui il revient toujours te relever. C'est des dingues. Ils en prennent plein la gueule. Et surtout ils survivent. Et ils survivent mais là. Bon, on devrait pas tarder là, une minute là. 10 secondes. 10 secondes. Allez, vas-y ouais. Moi je suis sûr que ça va être par là. Ah, attends, non, on vient de par là. Il a dit coin de la rue. Non, alors, on vient de par là, donc ça va être à l'autre bout. C'est à l'autre bout de là où on était. Ouais, c'est ça. Ouais, on prend un droit direct là sur la route. Non, non, non. Non, 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 hop, non, là, non, ouais. Non, non. On va essayer de se couvrir avec le camion. Non, attention, je suis à terre. Splinter. J'enlève. C'est bon. Merci. Il y a un taser qui arrive, il est pour Day. Là, je suis déjà à terre. Il y a le taser, il recharge, je vais foncer. C'est bon, d'accord, vous avez avancé. Ok. On y est. Vas-y, et là il faut reculer dans la zone d'ail, c'est là hein. Oups, pardon. C'est vous dans la zone et c'est bon.
Ah, faut y reculer encore. Pas dedans là. Bon. Non. Ah voilà. Un Nodius. C'est vrai qu'on avait pas un assaut pile poil sur parce que sinon. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que le shoot il est assez agréable. Pas simple. Techniquement, il est pas dur et il est assez fun de voir le casque voler. Ouais, ça donne pas mal de thunes. Ah c'est bah, mieux qu'en solo quoi. Kill, donc vu que t'as je sais pas ton niveau, mais. Bah, je suis 5. Ah oui, donc là, d'habitude, t'as l'habitude de faire quoi, de, quoi 2000 ou 3000 de points. Ouais. Au début sur des normales, ouais, voilà. Oh, bah, on arrive à faire le mieux qu'on a, je crois qu'on a vu. On a approché les 200 000, je crois. Moi j'ai dépassé 200 000, moi. J'ai pas fait 210, un truc comme ça. Je crois que j'étais à 204. Mais celles qu'on fait assez souvent qui nous payent bien, elles sont à 120 000, tu vois. Ouais. Donc là, tu vas prendre 10 levels. Un coup. Oui, Walou. Macro, quand tu dis, quand t'es prêt. C'est bon. Ready. Allez, gilet pare-balles et tout, la totale. Tac tac tac, en costard cravate. Là c'est moi, tac. Comment toi? C'est qui? Oxton? Oh bah c'est moi, c'est bien. Quoi, y a une différence sur les prénoms hein? Non, c'est quand tu regardes config équipe, c'est tout. T'as un personnage en fait à la base, donc t'as pas le pseudo. D'accord. Regarde config équipe. Alors, donc on va prendre munitions, non ça on s'en fout, on filtre, on s'en fout, les body bags, oh, et c'est tout. Allez. Tiens, le j'ai pas pris mon deagle silencieux. C'est exactement ce que j'allais te dire. Et j'ai pris mon gros fusil d'assaut silencieux, donc ça va. Bon bah, fusil d'assaut, hein. Ouais, je l'ai mis en coup par couille, c'est bon. Pas grave. Bon bah, je suis, hein. Alors, caméra sur la on porte, va faire le tour déjà, je vais te faire faire le tour du bâtiment. Coffre bien placé. Sécu bien placé, on est bon. Oh, t'as un œil de lynx ou quoi? Moi, j'ai rien vu du tout. Non, c'est qu'on a l'habitude de voir des petits traits, des quand même comme ça, des portes au loin, on sait où elles sont quoi. Voilà. Donc, nous on a la possibilité, vu qu'on est un peu plus évolué, de spotter. Tu vois. Là, le mec il est devant le coffre qu'on veut vider. Ok. Ici, tu vois, on a un bureau. Là, juste à droite là. Bon, tu pourras pas. S'il y a un garde qui vient, faut pas se coller aux fenêtres, hein, parce que la détection elle monte et on est grillé. Mais il y a une carte à choper là-dedans, ou alors sinon, c'est le directeur qui l'a sur lui. Donc, il y a un mec qui se promène la porte partout. Il va monter. Et tu peux aller voir, le garde. Ouvrir la porte, il les ouvre pas tant qu'il y a pas quelque chose. Hein. C'est fermé sur son toit, alors. Côté. Hein. Sur c'est le directeur qui a la carte. Il doit y avoir un garde qui monte sur le toit. Hein. Bah écoute, il est sur le toit avec, oh, le directeur. Avec le directeur. Oh, il y a une cam. Eh, vous êtes chaud? Bah vas-y hein. Vas-y. Dark, quand tu vas aller foncer sur le. Ah oh, putain, ça va être chaud. Moi j'ai déjà mon foncer masque. Sur quoi hein, vas-y, mets le tien. Attends. Parce qu'il va peut-être ne pas être tué sur la caméra. Vas-y, tu butes le garde et je bute gros, la caméra. Bute le garde. Attends, il va s'avancer, il sera pas dans le visée de la caméra. Ah ouais, carrément. Par contre, tu inviterais Bah non. C'est passé non, quoi mais je crois que t'es cramé à fond. Toi. Un civil a vu un cadavre. Il l'a vu d'où? Des fenêtres? De la tu rue. Tu l'as tué où? Ah, tu l'as tué sur là toi. En bas les. Non, oh, il y avait personne. Ah, il est pas encore sur le banc. Ah, il y avait personne sur le banc. En fait, en général, il vient jusqu'ici. C'est ici qu'il faut que tu le butes quand il fait ça. Dommage. Donc la mécanique du jeu là, Dark, en fait, quand les gardes ils sont à l'extérieur sur cette map, il faut essayer de les tuer parce que c'est déjà ça qui est maîtrisé. Mais par contre, faut toujours répondre à leur beeper. Je sais pas si t'as dû remarquer. Ouais, si, je l'ai déjà fait ça. Voilà. Si tu réponds pas, ça bug. Ça, ils arrivent, les flics. Les okay. Gars. Par contre, si tu réponds, tu peux répondre jusqu'à 4 maxi. J'ai pas la tenter quand même. Je vais la tenter.
Ça sera dur, mais bon, elle est en pro, alors autant la tenter, quoi. Ah, on a un overkill, hein. Overkill en costard. Faut mieux la tenter quand même, hein. C'est sérieux. Mais j'y crois même pas une seconde. De toute façon, on a besoin que d'un sac. C'est juste histoire de la remplir le quota, quoi. Fraîchier, hein. Pas une seconde, mais bon. Parce qu'elle est en pro, c'est histoire de pas perdre. Aussi, une technique qu'on a, c'est quand le garde ne sort pas, on essaie de shooter une caméra à l'extérieur. Ouais. Donc, du coup, il y a un appel. Et le mec qui surveille les caméras appelle sur un des gardes. Et le garde, tu le vois venir tout doucement, mais sûrement, toujours, sur la caméra pétée. Et puis tu l'attends là et bim. Ok. En général, c'est ça. Et des fois, on n'a pas de caméra à l'extérieur. Donc, du coup, c'est chaud. Il y a des planches de mon côté là, à l'arrière. Ok, du monde sur toi. Pas tout seul d'ailleurs. Ah, je vais aller chercher des planches. Oh putain, j'en ai pris une belle. Enfin, on est en costard, hein. On, on va dire que tu prends une balle déjà. Ta pseudo armure disparaît. La deuxième balle, c'est bim. Ça rentre. Aïe. Tazé, il est juste là où le mec dort. Ah, oh, j'ai pris une flash. T'sais, ça pique. Un bouclier. Je l'enlève. Il y a un bouclier à la porte là. Vas-y. Voilà. Un bouclier qui rentre. Il y a Splinter Cell, décale pas. Bouclier ment. Ah, je suis par terre. C'est qui ça? C'est un ninja ou quoi? C'est Splinter Cell. Bordel. C'est quoi ça? Splinter Cell. Splinter Cell, mon gars. Qu'est-ce qu'il dit? Il défonce. Y'a rien de Splinter Cell. Tu vois, quand t'entends ce bruit, c'est... Avec les yeux verts. Il est mort, c'est... Putain, je connaissais pas. C'est quoi ce bordel? Merci. C'est l'overkill. Il est en très difficile aussi, lui. Et en fait, il y a des unités comme ça qui sont mais hardcore. Bouclier. Donc là, t'as le bouclier, Splinter Cell, c'est l'un des plus durs. Putain, je suis à terre. Ouais. Oh putain, au sol. Je suis par terre aussi. Tu vois plus rien. Vas-y, prends un sac, ça va être ouvert. Oh là là là, ils mettent des coups de matraque là. Enlève d'aller. Je vais le remettre déjà. Merci. Ah, oh, la flash. Oh, je suis tassé. Non. Et puis y'a un Splinter Cell qui tombe devant ma gueule. Ah. Un Splinter. Ah, et puis une balle. Clic, clic, clic. Putain, le bulldog qui est passé à travers la porte. Ah, ouais, bah d'accord. Le bulldog, c'est bon, c'est fini. Après, c'est vrai que quand c'est en bourrin, t'as un truc au début qui te donne de l'adrénaline quand même, c'est que la musique elle pose bien dessus quoi. Ça t'annonce bien quand les assauts arrivent ou pas, et quand t'es dedans et que c'est du bourrin, même si tu tiens, t'aimes crève, pas trop le son électro. Fais gaffe, t'en as deux là. Cool. C'est assez entraînant. Donc en bref, on a foiré quoi. Ah bah ouais, tout foiré.